Laboratoire Pierre Fabre. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. J'ai une question à vous poser concernant un produit que j'ai vu en Afrique. Alors, je ne sais pas s'il est disponible en France. C'est la nouveauté de chez Ducré, le lait éclat. Ducré, le lait s'appelle Ducré Éclat. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Derma. Je vous laisse lire le descriptif et nous allons passer au vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite revue, d'un produit. J'étais en Côte d'Ivoire, pour celles qui me suivent, j'étais en Côte d'Ivoire, au moment où je fais cette vidéo, ça fait une semaine, disons à peu près deux semaines que je suis rentrée d'Abidjan. Et durant mon séjour, j'ai rencontré au moins une soixantaine de femmes qui avaient des problèmes de peau. Certaines s'étaient dépigmentées, d'autres voulaient arrêter, d'autres étaient encore dans la dépigmentation. Bref, j'ai rencontré une multitude de femmes avec chacune leurs problèmes de peau. Et parmi ces femmes, il y en a une qui est venue avec ses produits, dont un produit. Certaines venaient avec leurs produits, d'autres pas. La dame qui est venue avec ses produits, parmi ses produits, il y avait ça. Ducré éclat. Alors, quand j'ai pris ce lait, je me suis demandé, mais ça sort d'où? Faut savoir que moi, je m'occupe d'une parapharmacie en France. Et Ducré fait partie des laboratoires Pierre Fabre. Les laboratoires Pierre Fabre, c'est Aven, Ducré, Aderma, Dexeril, Clorane. Voilà les cinq marques phares des laboratoires Ducré. Bien sûr, il y a d'autres marques, mais je me concentre sur celles-là. Parmi ces marques-là, c'est-à-dire dans ces marques, il y a le Ducré Éclat. Ducré Éclat fait partie de Ducré des laboratoires Pierre Fabre. Alors, quand j'ai pris ce lait, j'ai été très surprise parce que les nouveautés, en principe, les nouveautés Pierre Fabre, je les connais toutes puisque je suis dans la parapharmacie, je m'occupe d'une parapharmacie, donc toutes les nouveautés, je suis au courant. Et ce produit, ce lait que je mets là, je ne le connais pas. Bon, je me suis interrogée, je suis allée sur Internet, bien sûr, et j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Alors, comme vous voyez là, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher le lait Ducré Éclat chez Pierre Fabre, je ne trouve pas. Alors, Je continue de chercher et je me suis dit, je vais aller sur Facebook parce que quand je tape Ducré Afrique, quand je tape le lait, je tombe sur Ducré Afrique. Je me dis, Ducré Afrique, c'est sûrement... Ça fait partie des laboratoires Ducré. Donc, normalement, Ducré doit avoir une branche Afrique. Donc, quand je dois aller sur leur site internet, je dois avoir la branche Afrique. Alors, je tape Ducré Afrique. Je ne trouve rien. Ce n'est pas possible. Je tape Ducré Éclat. Achat Ducré Éclat. Je ne trouve pas. Je vais sur Amazon. Je ne vois pas.
Je me dis, alors, dans mes recherches, je me rends compte que le Ducré Afrique, c'est sur Facebook. Donc, je tape Ducré Afrique sur Facebook. Et bingo, je tombe sur le produit. Je me dis, c'est bizarre. Comment ça se fait que ce lait ne se retrouve pas sur le site internet officiel des laboratoires Pierre Fabre? Parce que moi, pour authentifier un produit, je vais sur leur site officiel. Je vous ai toujours dit, pour authentifier un produit, allez sur le site officiel de la marque. Parce qu'il faut savoir que la marque, une marque a souvent des représentants. D'accord? Mais même si elle a des représentants, les produits doivent se trouver déjà sur leur site officiel. Chaque marque a son site officiel. D'accord? Donc, je suis allée sur le site officiel, je n'ai pas trouvé. Je dis, mais c'est bizarre. Je m'interroge, je dis, est-ce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie des laboratoires Ducré? Donc, je vais sur Facebook et effectivement, ça fait partie des laboratoires Ducré. Puisque je vois l'emblème, je vois l'image, j'ai tenu le produit que je vous montre là, c'est le produit que j'ai tenu à la main. Ça ressemble vraiment au produit des laboratoires Ducré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous me connaissez, j'ai appelé les laboratoires Ducré. J'ai appelé le service client pour m'informer, pour m'enquérir de cette nouveauté-là. Je vous laisse écouter l'échange que j'ai eu avec la dame. J'ai modifié sa voix parce qu'elle ne sait pas que je l'enregistre. Et normalement, quand vous enregistrez une personne, vous devez le lui dire. Et pour cela, j'ai dû donc modifier le son de sa voix. Écoutez. Bienvenue au laboratoire Pierre Fabre Dermocosmétique. Afin d'améliorer la qualité de nos services, notre communication est susceptible d'être enregistrée. Veuillez rester en ligne. Un conseiller va prendre votre appel. Laboratoire Pierre Fabre. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. J'ai une question à vous poser concernant un produit que j'ai vu en Afrique. Alors, je ne sais pas s'il est disponible en France. C'est la nouveauté de chez Ducré, le lait éclat. Ducré, le lait s'appelle Ducré Éclat. Un lait corps. Vous savez pas quelle gamme par hasard? Parce qu'il y a la gamme des chiens et des chiens. Non, c'est pas la, c'est la gamme. C'est Ducré, hein. Attendez, je vais regarder. Ça s'appelle lait Ducré Éclat. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est sur le site, sur votre site, il n'y apparaît pas. Et sur la page Facebook Ducré Afrique, il apparaît. C'est ça que je comprends pas. Je sais pas quoi vous dire, parce que je ne sais pas. C'est vrai que nous, sur les bandes de commande, là, il n'y est pas. C'est Etienne. Etienne Éclat Lait. Etienne. 400 millilitres. C'est peut-être le lait hydratant encore. Mais non, c'est écrit. Vous avez le code barre? Ah non, j'ai pas le code barre. Non. Non, mais c'est sur non, le. Mais, ouais, je voulais pas, il est pas. C'est un soin adapté aux peaux noires et métissées. Ah, mais c'est pour ça peut-être qu'on l'a pas, peut-être qu'il fabrique uniquement pour l'Afrique, pour ces pays-là, je sais pas. Ah bon, vous faites des produits uniquement pour l'Afrique, c'est normal? Et je sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Alors, vous êtes à la relation client, mais on s'occupe des litiges, des pharmacies, des parapharmacies, donc je pense que je pourrais pas vous répondre. Et qu'est-ce qui peut me renseigner alors? C'est ce que je me demandais. En tout cas, je ne sais même pas qui pourrait vous renseigner, peut-être parce qu'après on a directement des collègues qui s'occupent justement
En outre-mer, je ne pense pas parce que c'est les mêmes bonnes de commande que moi. Je vais vous renvoyer vers mes collègues à l'international. Peut-être. D'accord, ah oui, d'accord. Elles n'ont pas de ligne téléphonique, c'est ça le problème. Ah. Elles n'ont qu'un mail et est-ce que je les lis ? Alors, on va ouvrir autre chose. Hop, parce que vous, le problème, c'est que vous êtes en France ou vous êtes en Afrique ? Moi, je suis en Afrique. Voilà, d'accord. Je vais voir directement mes collègues, mais je ne sais pas après comment ils gèrent. Hop, non, je ne l'ai pas, mais si. Je l'ai enregistré. Aller ici. Mais là. Ensuite. Là. Alors. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de comme. J'en ai d'appel pour l'international, alors du coup, je ne trouve même pas le nom de mes collègues. Oh là 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 là. Oui, merci d'avoir patienté. Alors, je suis isolée, personne ne sait. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre vos coordonnées et je vais demander directement à mes chefs, à mes supérieurs. Mais bon, là, ils ne sont pas disponibles. Non, là, non. D'accord. Ben, moi, je vous appelle de loin. Je vais rappeler ou je vais rechercher. C'est pas grave. Parce que moi, j'appelle de loin. C'est pas grave. C'est juste que je suis. Oui, c'est la première fois qu'on a un appel comme ça et. Oui, mais parce que si vous allez sur la page Facebook du Cré Afrique, vous allez voir le produit, en fait. C'est ça. Oui, je vous crois, mais du coup, je ne sais vraiment pas du tout comment le commercialiser. Et tout s'en occupe, là, je ne sais pas du tout. D'accord. Et ça n'apparaît pas sur le site Vous, vous êtes une cliente lambda, vous ne vous appartenez même pas à une pharmacie en Afrique ou. Moi, je suis en Afrique et si, justement. Et vous êtes une cliente. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Et je suis en Afrique et je voulais m'assurer que c'était fait par votre labo, en fait. Que c'est pas de la contrefaçon. J'étais sur tout ça. Ah, d'accord. Ah oui, voilà, du coup, je serais vraiment pas en mesure de vous répondre. Oui, oui, parce que c'est quand même bien sur le site, c'est bien sur la page Facebook. Oui, c'est bien sur la page Facebook, hein. Ducré Afrique. Si vous tapez Ducré Afrique sur Facebook, vous allez trouver en pole position, en première position, et c'est écrit nouveauté. D'accord. C'est pour ça que j'étais étonnée. Bon. Et après, ça... c'est possible qu'ils commercialisent uniquement des produits que pour un pays ou un continent. Hein. Ah bon? Oui, ça c'est fort possible. Hein. D'accord. Okay. Mais après, vous dire si c'est une contrefaçon ou pas, je. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas la contrefaçon. Non, non, je ne pense pas. Ce n'est pas de la contrefaçon. Parce que je vois les photos, je vois les images, c'est quand même professionnel. Ce n'est pas la contrefaçon. C'est juste que. C'est des produits pour la dépigmentation, donc pour la peau noire. C'est juste ça cible peau noire, mais j'étais surprise qu'il n'y en ait pas en France. C'est pour ça que ça m'a surpris, que ce soit justement fait. C'est vrai que même ce ne soit pas commercialisé en France. Ben oui, c'est ça. C'est la première fois que je vois. Je ne sais pas que Ducré faisait uniquement des produits pour l'Afrique. C'est pour ça que ça m'a étonnée. Bon. Oui. Ben, je vais essayer de... Je vais essayer de vous apporter aucune réponse. D'accord. OK. Merci bien, madame. Avec plaisir, bonne journée. Au revoir. Alors, vous avez écouté la dame. Elle semblait très surprise. Mais alors, tellement surprise, elle a essayé de me mettre en contact avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas réussi. Bon, j'ai donné mes coordonnées. Bon, je ne sais même pas, j'ai pas eu de retour. Je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est pas la première marque qui fait ça. En fait, il faut savoir que dans les marques, les grandes marques de cosmétiques, il y a des départements import-export. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des départements Afrique. Il y a comment on appelle ça? Des départements qui s'occupent de l'exportation des produits vers les pays africains. Ça, c'est connu. Dans toutes les marques, il y a ça. Et même au niveau des médicaments, vous avez des médicaments qui sont fabriqués pour l'Afrique.
D'accord? Vous allez avoir certains comprimés qui sont fabriqués en France et qui seront aussi fabriqués pour l'Afrique à coût moindre. C'est-à-dire qu'on estime qu'en Afrique, bon, les gens ont peut-être beaucoup moins de moyens. Donc, on fait des produits, des médicaments à bas coût. Voilà. Pour l'Afrique, destinés à l'Afrique. Moi, je dis parce que j'avais une pharmacie et je voyais certains produits, certains médicaments destinés à l'Afrique. Voilà. Et au niveau des cosmétiques, certains cosmétiques sont aussi destinés à l'Afrique. Je donne l'exemple de Nivea. Vous avez des produits Nivea qui ne sont pas présents sur le territoire français. Je vous laisse regarder cette vidéo-là. Mais qui sont présents en Afrique. Et je découvre donc que c'est le cas aussi de Ducray. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est cet inconnu. Ducray éclate, tu ne le trouves nulle part en France. Alors, nous allons taper Ducray éclat. Ducray éclat lait. Voilà. Voilà. Et donc là, on ne voit rien du tout. Vous voyez, on tape Ducray éclat. On voit le mélasse crème, la crème légère. Le produit Ducray. Alors, si on va sur le site, alors, vous voyez, si on va dans les produits, on voit pas. Il apparaît pas, en fait. Conseil, routine de soins, le corps, anti-grattage, hydratation, on va essayer pour voir. Voilà, ça paraît pas. Vous voyez, le lait Ducray n'apparaît pas. Alors, je vais taper ici Ducray éclat. On va voir s'il apparaît. Vous voyez, zéro résultat. Zéro résultat. Ça n'apparaît pas. Alors, on va aller sur Facebook. Alors là, on va aller sur Ducray Afrique. Donc, moi, j'ai tapé Ducray Afrique. Donc, on va taper comme ça. On va voir si on trouve Ducray Afrique. Résultat de recherche. Alors là, vous voyez Ducray Afrique. Donc, je vais mettre voir tout. Vous voyez là, Ducray Afrique. On va sur la page. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Ducray Afrique. Et vous allez trouver, alors, je vais pas faire trop de pub. Alors, je vais voir, voilà. Et qui hydrate la peau, mais aussi clarifie et unifie le teint. Je l'ai testé ces dernières semaines et vraiment, sincèrement, je peux vous dire que j'ai... Bon, je vais supprimer parce qu'il y a le son, vous voyez. Bon, déjà, elle parle du visage alors que c'est un lait corps. Voilà. Ensuite, toujours là, le lait... Ah, je dis même Ducray. Oui, c'est Ectiane. Ectiane, c'est Ducray. Font la publicité. Ectiane, voilà, en vidéo. Voilà. Donc, voilà ça, ici. Alors, voilà le nouveau... Donc, partagez votre expérience d'utilisation Ectiane éclat, le meilleur témoignage sera mis en avant, etc., etc. Alors, moi, j'avais fait un commentaire. Bon, mais ça fait longtemps. Voilà. Donc, voilà le lait que vous allez retrouver en Afrique, mais que vous n'allez pas retrouver en France. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer.
Si vous tapez Ducré sur Amazon, vous n'allez pas trouver celui-là. Là, nous allons sortir de chez Ducré. C'était juste pour vous montrer ceci. Donc, c'est la nouveauté. Donc, là, je ferme. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. À vous la parole. Voilà. À vous la parole. Donc, publicité Ducré, mais... Et si vous tapez Ducré Europe, vous n'allez pas trouver celui-là. On va... Europe. Je ne sais même pas si ça existe. On va voir. Ou Ducré France. On va voir. Ah non, il n'y a pas. Il y a du... Je pense que c'est Ducré tout court. Il n'y a pas. Donc, voilà, à peu près... Ouais, donc, voilà. Ok, nous allons donc aller sur Amazon maintenant. Nous allons aller sur Amazon. Amazon. Voilà. Pour voir si on peut l'acheter sur Amazon. Sur Amazon et on va mettre Ducré Ictiane plutôt, hein. Ictiane éclat, hein. Ictiane, on voit, ah il apparaît là, éclat, on voit, alors Ictiane éclat, maintenant il n'y est pas, il n'y est pas, vous voyez, il n'est pas sur, il n'y est pas. Il n'est pas sur Amazon. Donc, si déjà il n'est pas sur Amazon, bon, il n'est même pas pour le moment. C'est pour ça que je ne comprends pas. Il n'est pas là. Non. Vous avez tout, Topicrème. Je suis même sûr que vous avez Topicrème, mais là. Je vais voir si vous avez Topicrème, mais là. Voilà, vous avez Topicrème, mais là. Éclaircissant. Vous avez Topicrème. Même pas. Voilà, vous avez le Topicrème, mais là, donc je sais pas, il apparaît pas là. Voilà, il apparaît pas. Donc c'est un peu bizarre quand même, hein? C'est un petit peu bizarre qu'il y ait pas, il y soit pas. Donc moi je sais pas trop quoi vous dire. On va donc décrypter celui-là et puis après je vous donnerai mon avis. Alors là on va aller, voilà, on tape Ictiane éclat. Alors on y va. Et même pas. Bon, on avait déjà fait ça. Ah, alors, vous voyez, la gamme Ictiane, c'est sur Facebook. Donc, sur Facebook, Ducré Afrique. Mais, voilà, Ducré Afrique. Et si vous tapez Ducré Afrique, vous allez tomber sur Facebook. Voilà. Donc, il n'est pas en France, en fait. Ok. Moi, je suis, je gêne pas la pharmacie en France. Je ne trouve nulle part ce produit. J'ai cherché même dans le catalogue, ça n'existe pas. Le produit n'existe pas. Vous savez que la France, en matière de réglementation des cosmétiques, est un des pays au monde où la réglementation est très stricte. Très, très stricte. Si vous voulez créer votre gamme de produits ici en France, vous allez galérer. Parce que la réglementation ici est très compliquée. Très compliqué. Donc, il y a des produits qui sont interdits de vente en France, mais qui vont se retrouver en Afrique et qui seront fabriqués par ces laboratoires-là. Je n'ai pas compris pourquoi Ducré ne se retrouve pas en France. Non, on le trouve nulle part. J'ai voulu l'acheter, il n'est nulle part. Nulle part. Vous n'allez le trouver nulle part. Peut-être dans, je dis, puisque de toutes les façons, les produits Pierre Fabre, vous ne pouvez pas les avoir. Ce n'est pas des produits que vous pouvez vendre n'importe comment. Parce qu'il y a une réglementation, c'est très rigoureux. Pierre Fabre se vend en pharmacie ou en parapharmacie. Et même quand c'est en parapharmacie, il faut qu'il y ait un pharmacien. Ça, c'est une obligation.
Alors, nous allons décrypter ensemble ce produit. Alors, quand moi je regarde, en fait, quand moi je regarde, ça me semble un peu bizarre. Puis je regarde un peu l'étiquetage. Bon, je vois ducré.com, contact ducré@pfa.com. Mais quand tu les contactes, ils ne sont pas informés. Je vois un peu l'étiquette là. Je regarde la composition. En fait, je vois rien dedans. Ils disent éclat, mais il y a quoi dedans, en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ce lait? Il n'y a rien dedans. Il n'y a que des conservateurs. Même le conservateur, je ne vois même pas. Je vois un peu d'alcool. Je vois des émulsifiants. Je vois de l'eau et de la glycérine. Mais c'est tout, quoi. Alors, je ne comprends pas. Et c'est cher, hein. Je crois que ça te coûte une vingtaine de mille. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, je vais comparer au lait Ducré, qui est en parapharmacie. Je vais faire la comparaison et puis je vais voir la différence. Mais les agents éclaircissants, là, je ne vois pas. Les agents qui donnent de l'éclat, je ne vois pas. Je ne vois même pas de beurre de karité. Je ne vois même pas d'huile de coco. Je ne vois rien du tout là-dedans. J'y comprends absolument rien. Je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue. Alors, là, ici, nous avons le produit Ducré en France, d'accord? Le côté gauche. Et le côté droit, c'est le Ictian Éclat, d'accord? Donc, quand vous regardez à gauche, vous allez voir qu'il y a du cocos nucifera, l'huile de coco. Vous allez voir qu'il y a du chide, du beurre de karité. Il y a de la paraffine, il y a des huiles minérales. Quand vous regardez ici, pour l'Afrique, il n'y a rien de tout ça, en fait. C'est pour ça que je dis, il y a un peu d'alcool, il y a de la glycérine, il y a de l'eau, mais il n'y a pas d'ingrédients qui sont à l'origine de l'éclat de la peau. Moi, c'est ça qui m'a un peu interpellée, et c'est que pour l'éclat, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce lait, en fait. En fait, quand vous regardez bien, il n'y a rien dedans. Il y a des émulsifiants, il y a de l'eau, il y a la glycérine, il y a la gomme Zantac juste pour améliorer la texture. J'ai rien vu de qui peut être à l'origine de l'éclat. C'est pour ça que ça me surprend un peu. Je ne comprends pas trop cette formule-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, en fait. Donc, les femmes qui l'achètent, elles pensent effectivement retrouver l'éclat de leur peau. Peut-être que vous retrouvez l'éclat de votre peau. Mais honnêtement, je sais même pas s'il est bien hydratant. Parce qu'il n'y a que de l'eau, la glycérine. Il n'y a pas de karité, il n'y a pas de vaseline, il n'y a pas de paraffine, il n'y a rien de tout ça. Donc, voilà un petit peu. Mais sinon, au niveau des annotations, bon, là, vous voyez, vente réservée aux distributeurs agréés, ici aussi. Là, vous voyez le contact. Bon, ici, j'ai l'impression que, bon, l'étiquette, OK. Est-ce que c'est la même chose? Bon, je regarde un peu. Bon, ça semble pareil. Ça semble pareil. Ici, mettre ducré.com. Sauf que quand vous allez sur ducré.com, ben, vous n'avez pas le produit Afrique, etc., etc. Je ne comprends rien. Mais bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce lait. Moi, je dis toujours que quand je vois déjà quelque chose qui est seulement pour l'Afrique, je me pose des questions. La réglementation en France est très stricte. Ils font très attention à ce qu'ils mettent dans les produits. Ils font très attention parce que la réglementation est terrible. Alors, quand on envoie un produit comme ça en Afrique, quand je regarde la composition, franchement, je ne vois rien à l'intérieur. À part l'eau et la glycérine, il n'y a rien dedans, quoi, en fait. Et quand vous voyez le prix, alors, est-ce que c'est fait par Ducré? Est-ce que s'ils ont un département Afrique, ils ne font que des produits pour l'Afrique? Moi, c'est la première fois que je vois
ce type de produit, en fait, que Piafa fasse ce type de produit et qui n'est pas dans sur son site, en fait. Et ce qui m'exaspère dans tout ça, c'est que beaucoup de marques commencent à faire ce genre de choses, c'est-à-dire à produire des produits, à mettre sur le marché des cosmétiques pour l'éclat du teint, pour éclaircir la peau. C'est-à-dire, au moins, on essaie de se battre contre tout ça. C'est là où les laboratoires surfent sur cette tendance-là. Topicrème a surfé sur cette tendance. Nuanciam est en train aussi de surfer sur cette tendance. J'espère que Inouya ne va pas surfer sur cette tendance. Ça m'exaspère. Maintenant, mais un lait éclat. Qu'est-ce que ça signifie un lait éclat? Ça, ce sont les termes de Mamie Jansan. Ça veut dire quoi, un lait éclat? Quand je regarde toutes ces marques-là, en France, produit éclat, moi, je ne vois pas. Crème éclat, je ne vois pas. Franchement. Donc, ils voient seulement que c'est la peau noire qui doit avoir de l'éclat. Et la peau white, il n'y a pas l'éclat sur ça. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce produit? Il vient d'où? Je vais continuer à mener ma petite enquête et je reviendrai vers vous avec plus d'explications. Donc là, je dis, c'est partie numéro 1. Je voulais d'abord parler de ça. J'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler de ce lait-là. Je n'ai même pas testé. Je ne sais même pas où le trouver. J'ai déjà fouillé partout. Je ne trouve pas. Je vous assure, même sur internet, il n'y a pas la composition. J'ai la chance qu'une abonnée m'a apporté le lait. Et j'ai capturé seulement. Et en partant de Côte d'Ivoire, je n'ai pas pensé à l'acheter. Parce que je me suis dit, je vais trouver ça en France. Disons, ça ne me... je me suis dit, ah, c'est un nouveau lait. Sûrement, je vais pouvoir le commander. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai été, je vais même dire choquée, de me rendre compte que c'est un lait qui n'existe même pas. Qui n'existe nulle part, en fait. Nulle part si ce n'est sur Facebook. C'est quelle qualité de lait qui existe seulement sur Facebook? Vous tapez même sur Internet, on va vous diriger sur Facebook. Ducré Afrique, ça veut dire quoi? Ducré sort un nouveau lait, ça n'apparaît nulle part, mon frère. Ouais, on souffre avec la peau noire là. C'est-à-dire que c'est... le combat là n'est pas facile. Vous allez dire, ah, la Terma, est-ce qu'on t'a dit que c'est un lait éclat? Ce n'est pas un lait peut-être éclaircissant, mais le fait de mettre éclat, quand le noir voit éclat, il achète. C'est ça le problème. Ils ont touché le cœur même du... Quand quelqu'un voit éclat, vous connaissez, vous, moi je les connais. Quand les filles voient éclat, elles ne vont même pas réfléchir, elles vont acheter. Elles vont acheter. Ah, en tout cas, hein, à suivre. Je vais continuer à mener ma méthode. Je vais toujours interroger jusqu'au jour où on va m'expliquer ce que ça signifie. Parce que pour le moment, je n'ai pas eu d'explication. Je vous ai donné seulement la première partie. Mais je vais continuer. Et je vous tiendrai informé. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire le nom des produits, le nom des marques, etc., etc., pour lesquels vous voulez que je fasse des revues. À bientôt sur la chaîne de la Terma. Ciao, ciao.